Eh bien voilà, enfin, je peux parler. J'espère que vous allez bien. Donc, au début de la vidéo, je parlais pas, c'est normal puisque j'avais le masque sur le visage et c'était surtout très chiant de parler avec. Vous n'allez pas m'entendre. Donc, ça ne servait strictement à rien de parler. Mais je vous mettrai quand même les scènes, enfin, là, je suis en plein tournage forcément. Mais je mettrai quand même les scènes où j'étais chercher ce que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc, comme prévu, une vidéo aujourd'hui. On est la sortie du jeu sur PlayStation 4 Marvel Avengers par Square Enix. Donc je l'ai avec moi. Si je fais cette vidéo, c'est pour le présenter. Donc, voilà. Vu que j'ai la version précommande, j'ai le droit à la boîte métallique, le steelbook, enfin le steelbook. Une boîte de rangement, tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. Avec chaque personnage. Nous avons Captain, nous avons de ce que je vois Black Widow. Attendez. Non, je dis de la merde, excusez-moi. Donc Captain Iron Man, Black Widow. Là au milieu, je vous montre évidemment, nous avons Hulk. Juste à côté, nous avons Thor avec les éclairs, évidemment. Et à côté, nous avons Miss Marvel avec son symbole qui est l'éclair. Voilà. Donc une boîte tout ce qu'il y a de plus classique avec le logo le A du film, enfin du. Vu qu'ils n'ont pas les droits, le A du jeu Avengers, de Square Enix. Et juste devant. Un petit dessin franchement sympathique. Ils ont géré, tout simplement. Ils ont géré pour ça. Et forcément, le plus important, le jeu sur PlayStation 4, Marvel Avengers. Donc, vous voyez, il est encore là. Voilà. Il y a un petit code. Ça sert à bien de le rentrer puisque je l'ai déjà rentré, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, je remercie. Déjà, je fais une petite dédicace parce que forcément, j'ai pu déjà essayer le jeu via la première bêta fermée. Donc je remercie J.Cole Stanley, je mettrai son blaze dans les commentaires épinglés ou sinon dans la description de la vidéo. Vu que j'ai pas précommandé le jeu sur Square Enix, je n'ai pas eu de code par Micromania pour jouer à la bêta. Mais justement, cette chère personne ultra raisonnable a posté un commentaire sur la communauté Marvel que je suis sur Facebook. Il a dit j'ai le code pour la bêta, je vais pas y jouer, donc quelqu'un le veut, dites-le moi. J'étais le premier à répondre. Et il me l'a donné et je lui ai dit en échange que j'allais faire une petite dédicace. Donc voilà, franchement, merci beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai eu un avis sur ce jeu et franchement, il est excellent. Si vous aimez Avengers, je vous le conseille. Même s'ils n'ont pas les droits pour les vrais personnages, les vrais acteurs, c'est un peu malheureux, mais le jeu en globalité a l'air énormissime. Déjà, juste la bêta, elle est excellente. Donc voilà, petite, vraiment toute petite vidéo, elle va pas durer longtemps. Donc voilà, je vais peut-être vous mettre un gameplay sur ma chaîne, donc je vais peut-être me filmer. Je vais voir, je ne sais pas encore puisque je ne fais plus de jeux vidéo sur ma chaîne depuis un petit moment. Je vais voir, si vraiment il y a pas mal de likes, je vous incite pas à le faire, hein, mais si vraiment il y a pas mal de likes, je vous le ferai, tout simplement, pour vous remercier. Sinon, il y a plein de tutos sur internet, je vous invite à aller voir plein de vidéos. Il y a bah, la chaîne de Marvel qui a fait des gameplays, qui fait justement le gameplay en ce moment sur le jeu. Et il y a plein d'autres youtubeurs, il y a pas malheureusement, mais il y a La Salle. Voilà, il y a plein de youtubeurs. Donc voilà, petite vidéo, donc j'ai eu ça, franchement c'est sympa. Voilà, ça fait le taf. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Cette vidéo, c'est juste une vidéo pour dire voilà, je l'ai reçue. Hein. C'est pas une vidéo vraiment en mode je vous fais découvrir. Wow. Après, si vraiment vous êtes intéressé par Marvel et que vous connaissez pas, je vous invite à aller voir des documentaires sur Marvel pour savoir plusieurs choses sur chaque personnage. Voilà, je pourrais vous faire une vidéo de qu'est-ce qu'est Marvel. Je vais peut-être vous en faire une. Avec tous les objets, parce qu'avec tous les unboxings que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, justement, je pense que vous savez que je présente beaucoup de Marvel sur ma chaîne YouTube. Et sinon, là, bientôt, il y en aura sûrement un nouveau qui se rajoutera dans ma collection de masques. Donc, je pense que je ferai la vidéo à ce moment-là. Donc, voilà. Bon, bah, petit passage que j'ai complètement oublié de filmer par rapport à la vidéo que j'ai fait. Donc, annonce, entre guillemets, que j'ai reçu le jeu. Donc, vous voyez, il est bien en train de télécharger. Vous le voyez sur la télé. Et j'ai oublié de notifier un truc, hein, c'est un peu. Bah, comment dire, c'est un peu dommage, même si c'est comme ça. Vous voyez avec Spider-Man, désolé si ma tête est plus proche parce que je tiens avec ma main tout simplement, alors que d'habitude il est posé. Vous voyez avec Marvel et Disney, il y a un fort lien d'amour, on va dire ça comme ça. Et
Ils l'ont bien précisé dans le jeu, ils l'ont dit partout, sauf que ça n'a pas du tout été cru, tout simplement. Le jeu Marvel Avengers est sur PS4, j'ai oublié de montrer un petit truc au bord du CD qui est là où j'ai mon pouce. Je lis pour vous, Spider-Man arrive dans Marvel Avengers, une exclusivité PlayStation. Donc voilà, les joueurs Xbox, rip pour vous si vous adorez Spider-Man. C'est exclusif aux joueurs PlayStation, mais bon, voilà. Après, peut-être que plus tard, je pense pas, hein, attention, mais peut-être que plus tard, ce sera payant pour les joueurs Xbox. Même si c'est malheureux, nous, on l'a gratuit, du coup. Mais bon, voilà, c'était juste un... Je voulais faire ce petit passage-là en plus, du coup. Bon, bah voilà. Allez, je vous redis bonne soirée, du coup, puisque je l'ai déjà dit. Et à une prochaine vidéo.